ça, c'est la poubelle ultra sécurisée du PSG. Et on va la fouiller pour voir ce qu'on peut trouver dedans. Mais on va également fouiller la poubelle du Barça, de l'OM et de Lyon dans cette vidéo pour répondre à une seule question. Qu'est-ce que jette dans leur poubelle les plus grands magasins de football? Juste derrière moi, c'est la boutique officielle du PSG Store, les gars. Et à moins de 10 mètres de la boutique, c'est la poubelle juste à côté et il y a le stade du PSG juste derrière. C'est parti, les gars, la poubelle elle est ici. Ouais. C'est la poubelle du PSG Store, les gars. La boutique elle est juste derrière, à moins de 10 mètres. C'est sûr, c'est leur poubelle. Vas-y, décale, c'est à moi de fouiller, frère. Vas-y, fouille. 3, 2, 1, c'est parti. Oh la dinguerie. C'est rempli. C'est quoi? Frère, t'as trop de trucs dedans. Les gars, c'est un masque du Covid. Un masque du PSG, frère. Il est neuf. Mais attends. Et ouais, oh combien plus Covid. Okay. Tu sais que là, normalement, on met du temps à trouver quelque chose dans une poubelle. Là, c'est la boutique. Les gars, arrêtez. Les gars, ils datent du Covid, les gars, c'est incroyable. Bien, les gars. Oh, regardez, ils voulaient le vendre, il y a moins 60%. C'est une dinguerie, frère. Regardez, il y a moins 60%. C'est un masque du Covid. C'est un masque du Covid qui sont jetés, les gars. Et du coup, ils avaient trop de stock. Exactement. Les gars. Encore des masques, les gars. Les gars, à mon avis, c'est des masques qu'ils ont jetés après le Covid. En fait, il y avait trop de stock, ils ont jeté, les gars, le regarde tous ces masques, frère. Là, t'as des trucs à bouffer, je crois. Ils ont bouffé des trucs. Ça, là ? Ouais. Regardez, les gars, là, ça se fait plaisir. Oh, ah, okay, ils ont même pas fini. Ils ont pas fini, les gars. Ils sont en train de manger, les gars. Un peu sale. Voilà, on va foutre les termes. Oh ! Ici c'est Paris. Une bouteille du PSG, ici c'est Paris. C'est dinguerie. Oh, dans le stade il est 20 euros. Oh, vous voyez très bien qu'on est au PSG, les gars, c'est dinguerie. Mais attends, c'est quoi cette poubelle? Je crois que c'est le meilleur truc, le lancement, les gars, c'est le plus gros lancement qu'on a fait. Le meilleur début de vidéo. Le meilleur début de vidéo. Ça, les gars, c'est une bouteille du PSG. On la trouve uniquement au PSG. 5000 crypto, je sais pas combien ça vaut, mais c'est totalement collector. Ça au moins 10 euros et ça au moins 5 euros. Donc ça, tu peux garder. Ça va faire ta cagnotte pour aujourd'hui. Parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que chaque chose qu'on trouve, c'est uniquement pour notre cagnotte. Si moi je trouve un truc, tu n'auras pas le droit de partager. Toi, je trouve quelque chose. C'est uniquement pour toi. Chacun pour sa peau. Chacun pour sa peau. Ok, c'est bon. Vas-y, sécurité. Autant. Ah, les gars, faut bombarder. On est devant le truc du PSG. C'est quoi? Un sac, frère. C'est quoi ça? Un sac du PSG exécutive PSG Qatar Airways, les gars. C'est le club VIP. C'est un sac du PSG, un sac VIP, les gars. Mais il est totalement déchiré. Donc moi, pour le moment, ça vaut 0 euros. Ça vaut 0, ça. À toi, Zach. Oh, les gars, là, il y a un gros sac noir. Je vais sortir un gros sac noir. Tiens, prends tes affaires. Les gars, faut directement fouiller dedans, les gars. Faut trouver du lourd. Là, derrière nous, il y a le PSG Store à moins de 10 mètres. De la bouffe. Ah, que de la bouffe, des trucs à kebab. Mais oui. Ah ouais. Non, pas une... enfin, Karim. Karim. Pullman Hôtel et Resort, les gars. Pullman Karim. C'est qui c'est Boutaoui? C'est le joueur de Nice, les gars. On est après le match. Tu penses? C'est son cousin, les gars. Et regardez derrière l'aide ce qui est écrit. Paris la défense. Paris la défense, les gars. Et là, c'est écrit Karim Hicham Boutaoui. Boutaoui, c'est le joueur. Tu penses Boutaoui, frère. Ça, les gars, c'est la lettre du joueur de Nice qui a joué hier. J'ouvre, les gars, pour ce qu'il y a dedans. Il y a absolument rien. Ça aurait pu être une invitation VIP pour le match, une invitation VIP pour le PSG, mais il y a absolument rien, les gars. Les gars, c'est à mon tour. Mais c'est quoi, attends, c'est quoi ce sac de fou? C'est pas, il y a plein de papiers, frère. Mais c'est un truc, c'est le même que le chien, mais en neuf. Notre sac du PSG, un neuf club exclusif Qatar. Moi, je sers. Il y a quoi à l'intérieur? Oh, il passe. Tiens-moi ça. Il s'est mis bien dedans. Non, mais je passe une place. C'est une place, les gars. Bah, toi aussi, une place. C'est match. Paris vs Nice, c'est le match hier. Oh. Place 95. Pouah, la pause qu'on a. Purée, les gars, c'est une dinguerie dans les poubelles du PSG. Dis-vous, on peut trouver des places gratuites pour le match. C'est une dinguerie. Il y a plein d'autres choses encore dans le sac à trouver. Ça, c'est un truc d'un cadeau. C'est un truc d'un cadeau, c'est un truc des habits. Ah, c'est une écharpe, il a acheté une écharpe, même. Ok, une écharpe du PSG. C'est incroyable. Encore des trucs, encore des trucs. Là, t'as trouvé le pactole dans ton sac. Le pactole, mais rien qui va. Encore une place. C'est la même, c'est une deuxième place. Ok, c'est une place qu'ils ont déchirée pour que tu la réutilises. Prends le sac, mon pote. Attends, mais attends, la place que t'as ici, là, la place que t'as dans le sac, regarde, elle est entièrement déchirée. Attendez, pourquoi ils l'ont déchirée? Pour pas que tu la réutilises. Regardez-moi ça, les gars. C'est chiant, c'est vraiment déchiré. C'est vraiment la même, les gars. Pour moi, c'est une place qui a été déjà utilisée, ils l'ont passé et les mecs de la sécurité l'ont déchiré. Ça, c'est pour moi, les gars. Moi, je suis bien, je mets tout ça. Un petit café, les gars, à la boutique du PSG. Ils aiment bien tout ce qui est café, les gars, ce que je vois. Un petit café, les gars, il sent encore le café, ce qui signifie que ça date d'il y a pas longtemps. Mais ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien. Il y a un sac blanc, les gars. Là, les gars, c'est le pactole, je crois que c'est la meilleure poubelle qu'on a fait depuis le début. Ouais, depuis moi, les gars. Ah, il y a du capricieux et des chocolats, les gars. Regardez. Oh, les gars, ça boit du capricieux à Paris, les gars. Ça boit du capricieux. Ça boit du capricieux au Parc des Princes, les gars. Les gars, faut fouiller. Il y a quoi dans ce sac? On avait déjà fouillé ici dans ce sac. Ouais, on a fouillé. Les gars, déjà. La poubelle n'est pas vraiment, vraiment bien garnie, mais il y a pas mal de choses. Regarde-moi ça. C'est quoi ça, à ton avis? C'est pour protéger le stade. C'est, les gars, c'est la sécurité du PSG, les gars. PSG Store. Le jour du match, ils mettent des banderoles pour pas que les gens fassent n'importe quoi. Vas-y, continue. Là, c'est quoi ça? Une bouteille. Une bouteille, mais pas une bouteille Paris. Bah, je crois que c'était une bouteille de... Ah non, c'est une bouteille d'équipe de France de rugby. Rien. Oh là là, un ticket de caisse.
Car Paris Saint-Germain Megastore. Ça, c'est encore une preuve de plus que c'est la boutique du PSG Store. Il est dans la cagnotte. Attends, il y a encore un sac, frère. Il y a que des sacs. Encore un sac. 10 euros. Lui, le 9, il y a un chewing-gum sur le côté. Oh, les gars, sur la première poubelle qu'on a tapé, regardez tout le lot qu'on a. Magnifique. Encore un masque. Encore un masque. Moins 60. Encore un masque. Ah, les gars, je crois que je suis au moins 50 euros, 60 euros de trop trouvé dans cette poubelle, les gars. Je suis en total bénéf, les gars. Bon, les gars, on a pas mangé. On va se péter. On est à côté du PSG. Il y a tout le monde qui nous regarde en plus. Pour vous montrer, les gars, à combien de temps on est du PSG, regarde. Ferme, je crois que c'est les flics. Ouais. Ferme. Non. Les à droite, attends, ils vont passer. Les flics. Ah, les gars, flics en banalisé. Les flics qui viennent de passer en banalisé. Les gars, faut qu'on arrête tout de là, les gars, regardez la poubelle où elle est. Et je vais marcher juste quelques pas et je vais vous montrer où est le PSG Store. Pour vous montrer, les gars, que bien, c'est vraiment bien la poubelle du PSG Store, les gars. Regardez le PSG Store où il est. Il est juste ici, les gars. Ce qui signifie que la poubelle qui est juste ici, c'est bel et bien la poubelle du PSG Store, les gars. Là, on va passer à quelque chose d'autre. Et après avoir cherché pendant plus de 45 minutes autour de la boutique, on a enfin trouvé des poubelles, mais il y avait un petit problème. Après avoir fouillé les poubelles du PSG Store, derrière nous, on a trouvé des poubelles. Le truc, les gars, c'est qu'elles sont dans le stade du PSG. Parc des Princes. Donc, c'est sûr que c'est le Parc des Princes. Là, on a fouillé le poubelle du PSG Store, on a trouvé des dingueries. Faut trouver un maillot de foot. Des crampons d'Mbappé. Faut trouver tout ce qui est possible. Derrière nous, il y a des poubelles. Le problème, les gars, c'est que c'est plein de monde. Venons, s'approcher, on va essayer de voir si on peut rentrer. Il y a un mec devant. Il y a un mec lequel est assis. Regarde. Il y a un mec derrière, c'est impossible de rentrer. Si on rentre, les gars, oubliez les poubelles de l'intérieur. C'est trop sécurisé, les gars. Regardez, vous avez bien vu. Il y a la sécurité qui bloque chaque entrée. Et là, l'entrée, il y a toutes les poubelles à l'intérieur du Parc des Princes. Donc potentiellement, où il y a des ballons qui ont été crevés pendant le match, où il y a les maillots qui ont été déchirés, les crampons qui ont été cassés pendant le match. Ouais. Tout est là, les gars. Les gars, faut se débrouiller. On va chercher encore. On va faire tout le tour du stade du PSG, les gars, jusqu'à trouver une poubelle à fouiller. On ne peut pas s'arrêter là. On continue. Let's go. Les gars, une poubelle juste derrière le grillage. Et là, les gars, cette poubelle, elle est vraiment proche du grillage, ce qui signifie que peut-être on va pouvoir mettre notre main dans une poubelle du PSG à l'intérieur du stade. Ouais, elle est ouverte en plus. Vas-y. Oh les gars, dinguerie. Dinguerie, tu sais ce que j'ai trouvé? Quoi? Il y avait un gros carton, les gars. Sérieux? Carton de fou. Si tu tires, autant c'est un carton crampon. Essaye-toi. En vrai? Tire, dégaine le carton. C'est quoi ça? Oh, il y a des gars. J'arrive pas, les gars, c'est trop galère. Il y a un sac, les frères. Les gars, on a dû courir pour pas se faire péter par la sécurité du Parc des Princes, les gars. Les gars, on a trouvé Zach, t'as trouvé quoi? Oh les gars, c'est on a trouvé un sac. Il y a marqué exclusif, les gars. Un sac exclusif Club Qatar Airways. Et Zach, il a réussi à tirer des poubelles. Ce sac comme ça là, comme on a dit tout à l'heure, ça doit valoir sur moi environ 5 gigs d'euros. La meilleure, ta cagnotte en plus. Franchement, ça fait plaisir. Ah les gars, fais gaffe, ça arrive pas, les gars. Parce que là, à peine il a tiré dans une poubelle, deux stars. Directement, deux mecs de la sécurité, ils ont passé, frère. Moi, je vous dis, les gars. Ils arrivent. Ah mais là les gars c'est chaud hein. On a réussi à fouiller les poubelles. Ah, ils s'en foutent. Ouais. Non, là autant ils vont aller voir la sécurité du stade. Non. Pour lui dire frérot, y'a trois mecs qui sont en train de faire border. Attends, y'a un truc dans le sac, t'as même pas vu. Jure. Oh purée. Purée, j'ai cru que c'était un truc de fou. C'est juste une petite étiquette. Les gars, on va attendre. Là au PSG, y'a trop de sécurité. Faut s'arrêter ici les gars. PSG, c'est fini. On a fouillé les poubelles du PSG Store. Les gars, c'est trop chaud. On va aller autre part pour fouiller la poubelle d'un autre club. Parce qu'aujourd'hui on doit fouiller toutes les poubelles des clubs de foot et des magasins de clubs de foot. PSG Store et tous les autres magasins. Après avoir eu de nombreuses surprise avec les poubelles de la boutique du PSG, on pouvait pas s'arrêter sur ça. Donc on a décidé de prendre l'avion et d'aller direction Barcelone pour fouiller les poubelles d'un des plus grands clubs du monde. J'ai nommé le FC Barcelone. Là les gars, j'ai ramené Paquito devant le Barça Store. Faut pas trop se faire repérer par la sécurité les gars. Mais notre mission les gars, c'est très simple, trouver les poubelles du Barça Store et les fouiller au maximum. On leur demande pas, direct, hein. On leur demande direct les poubelles. Direct on leur demande chaud. Vas-y go. C'est parti. Vas-y. Suis-nous. Poubelle. Ah, il y a l'anglais, pas français. Ok, vas-y. Poubelle, non. Pas tirer la basura. Ah, la basura, sí. Extérieur. Extérieur, pero son pequeñas. Ok, pas de soucis, merci. Merci. Moi et Paquito, on vient de sortir du Barça Store. Les gars, ils nous ont dit quoi? Tout simplement, ils nous ont dit que c'est à l'extérieur et c'est des petites poubelles. On va faire un petit tour de tout, de toute la boutique du Barça et on va voir où sont les grosses poubelles et on va les fouiller, on est obligé, les gars. Là, les gars, actuellement, on cherche les poubelles du Barça Store et regarde derrière nous ce qui se passe. Derrière nous, il y a la gendarmerie, mais espagnole, les gars. Et regarde, je vais faire genre de me tourner, mais regarde juste derrière qui c'est qui nous piste. Ouais, tout ça, c'est le Barça. Mais regardez, les gars, derrière le Barça, il y a qui nous suit tout à l'heure, les gars. Mec de la sécu, frère. Tout simplement, les gars, et je pense qu'il a capté qu'on veut faire une dinguerie. Ouais, je crois qu'il a capté. Ouais.
Non frère, que des déchets, y'a que des déchets. Ok. Ouais. Non, là y'a que des déchets les gars. On va continuer à fouiller au maximum et se trouver quelque chose les gars. Là les gars, encore une poubelle. Malheureusement les gars. C'est des poubelles d'aliments. Rien du tout. C'est pas ce qu'on cherche. Nous les gars, ce qu'on cherche au Barça, c'est trouver des poubelles où il y a tous les objets, ouais. Des grosses poubelles, des conteneurs. Et là on pourra bien fouiller. Là faut trouver la poubelle. Moi et Paquito, on vient de voir une porte assez suspecte. Souvent ces portes comme ça, c'est des portes où il y a des conteneurs à poubelles. Oh, tira, tira. Ouais, c'est fermé, c'est fermé. On va continuer à fouiller avant que la sécurité vienne nous choper. Donc c'est vraiment chaud. Bonjour. Hola. Visiting Barça. Et on cherche les poubelles. Les poubelles. Ah, il y a les poubelles. Il faut tout faire. Pour jeter juste un... On a mangé. On peut jeter dans sa main. Merci, c'est gentil. Et après plusieurs heures de recherche dans tout le stade du Barça, on a enfin trouvé le seul endroit où toutes les poubelles étaient regroupées. Vous l'avez vu les gars, on est à côté du Barça Store. On est avec Paquito. Là les gars, c'est vraiment chauffé. C'est vraiment les poubelles du Barça Store. C'est presque sûr, c'est les seules poubelles qu'il y a autour du Barça Store. Et en plus les gars, vous voyez direct Barcelona les gars. C'est sûr, on va se mettre les gars, plein. Barcelona les gars, c'est écrit sur la poubelle. Donc là les gars, on a pris une pince juste ici. Un et des gants. C'est parti gros, tu commences direct. On y va direct. Vas-y direct. Vas-y. Les gars, c'est pas des poubelles comme en France. Il faut vraiment appuyer. En fait, c'est fait pour ne pas qu'on fouille. Ouais. C'est pour que les poubelles ne pas qu'on fouille. Tu fouilles, mécanisme. Tu fouilles, je pousse. Je t'appuie. Vas-y. Je dois le tenir pendant que tu fouilles. Vas-y. Vas-y gros, fouille. Viens. Non. Oh putain, ça va être cool. Oh là là. Les gars, c'est un peu sombre les gars. Il y a beaucoup de sacs à choper les gars. On va ouvrir le premier sac. C'est parti. Chope direct un sac gros. Là les gars, tout moment, la police d'Espagne, elle vient frère. Les gars, ce sac, il y a que de la bouffe. Regarde-moi ça. Frère, du pain frère. Guette tout ce qu'ils ont jeté. Ah ça se met bien. Frère, ça se fait pas surtout. Guette ce qu'ils ont jeté, du pain. Mais non, c'est pas. Wesh, ils ont jeté tout ça. Le Barça, ils sont pas bien éduqués, je pense. Attends, j'ai trouvé un papier en bas. T'as trouvé quoi? Un papier. Un papier? Un papier, les couleurs du Barça. Bleu et rouge. Est-ce que c'est pas les pansements? Si je pense qu'il y a moyen. Des pansements. Ouais, je crois que des pansements les gars pour les joueurs de foot. Des pansements de couleur bleu et rouge. Donc c'est vraiment on dirait les pansements du Barça frère. Ça on le garde ça, ça peut coûter des sous. Tu me crois si je te dis il y a un jerrycan d'essence? Qu'est-ce que tu me racontes? Je te jure il y a un jerrycan d'essence. Quoi. Mais qu'est-ce qu'il vous. Ah les gars, c'est quoi ça les gars? C'est quoi ces poubelles de feu les gars? Mais la vie les gars. Oh les gars. On le garde, ça coûte des sous. Oh frère, on le prend, ça vaut des sous les gars pour les vidéos moto les gars. Regardez-moi le baril. Oh les gars, baril tout neuf les gars au cas où. Baril tout neuf. Oh les gars, on le garde. Oh frère, on est chaud là les gars. Ça part bien. Ça part bien. Mouah les gars. Ticket Barcelone, wesh, les gars. Ticket du Barça. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on est bien aux bonnes on poubelles, est bien les gars. Aux bonnes poubelles. On va se mettre plein, frère. C'est les bonnes poubelles, frère. Oh, frère. Faut y ah, les gars, on vous a dit, on était à côté du logo du Barça. Regardez. On est à côté du logo du Barça, les gars. Vous le voyez? Et regardez, Barça Store juste ici. Tout est dit. On dégomme tout. Faut tout fouiller, frère. Fouille tout. Tu vois ça? Fouille tout. Oh, moi je garde tout, t'inquiète. Il y a un gros sac, c'est le plus gros sac de la poubelle. À fond, frère. Donne-moi la caméra. Regardez les gars ce qu'on a trouvé. C'est tout simplement des herbes en fait. C'est des herbes. Les gars, on dirait que c'est les herbes du stade du Camp Nou. Ouais. Tu vois les herbes des mecs dès qu'ils jouent, qui coupent la tondeuse. Ouais, là, sur le stade, genre. Oh les gars, oh, mais c'est rempli d'herbes, mon pote. C'est rempli d'herbes, frère. Oh là, c'est sûr. Les gars, on est dans les bonnes poubelles. On est dans les bonnes poubelles, frère. Faut continuer. Là, les gars, y'a pas encore la sécurité. J'espère ils vont pas venir à tout moment, frère. On s'est pété. Heureusement, y'a pas de caméra aussi. Heureusement. Des poubelles. Les gars, quel joueur du Barça boit du coca? Je sais pas, frère. Moi, je connais pour toi, pas c'est un joueur du Barça ou pour toi, c'est un mec du Barça Store? Non, ils se font plaisir. En vrai, ils peuvent faire non, plaisir. Non, les gars, je vois pas un joueur du Barça. Se font plaisir. Pour moi, c'est plutôt un mec du Barça Store parce que les joueurs du Barça, ils ont pas le droit de boire du coca. Donc, à mon avis, c'est un mec du Barça Store. C'est vrai, un sportif, les gars, il fait attention à sa ligne. Ça veut dire un truc gazeux, frère, pas le bois. Raïm, tu vas craquer ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi? Mais c'est quoi ça? Aïe. Oh les gars, on a dit tout ce que je trouve, c'est moi je garde. Oh me dis pas c'est un autographe le sang. Mais c'est pas un autographe frère, t'as pas compris? Tu vois pas? C'est un calendrier du Barça. Regarde, Lewandowski, numéro 9, et c'est un calendrier. C'est un bout de calendrier en fait. Frère, et là il y a une signature là, c'est pas mon kiff. Non mais à mon avis, c'est une fausse signature, c'est une signature, elle vaut rien frère. Oh je croyais que ça valait grave d'argent. Tiens, garde-le, ça les gars, c'est un calendrier du Barça. Je sais pas d'où c'est qui vient, je sais pas à quoi il sert, mais il est dans la poubelle du Barça Store. Les gars, là, on va fouiller au maximum. Ça fait environ 5 minutes, j'ai rien trouvé, on va continuer à fouiller, c'est parti. Il y a quand même pas mal de bouffe les gars dans cette poubelle, il y a quand même pas mal de nourriture les gars, donc ça peut vraiment être chaud. C'est ça les gars, la vérité les gars, tout il y en a, ils s'arrêtent, ils nous regardent, ils se demandent ce qu'on fait frère. Mais va comprendre les gars, nous on est là en train de fouiller des poubelles tranquillement. Tranquille, normal les gars, on fait notre job. Tiens Rem, tu veux fouiller un peu? Ouais, je veux bien fouiller frère, moi à tout moment t'as trouvé des objets, moi j'ai rien trouvé ou quoi? Où tu vois les flics toi? Frère, on sait jamais. Moi je m'en fous. Moi j'envoie direct les gars, directement j'ai chopé un sac poubelle. T'inquiète, juste. Unita de finance, les gars. Ah, ça, c'est quoi, frère? C'est un papier en rapport avec le Barça Store, je crois. Je sais pas, frère. Attends, quand ils font des comptes ou je sais pas quoi. Unita finance, session. Je sais pas, c'est quoi, les gars, mais ça, c'est papier entièrement espagnol. Je vais pas comprendre c'est quoi, mais y'a pas. Oh putain. Ah, les gars. Ouais, les gars, c'est ça qu'on cherche, les gars. Un petit sac
Dis-moi, il y a écrit Barcelone. C'est une dinguerie ce que tu viens de trouver, les gars. Oh, les gars, regardez-moi ça, les gars. Barça, Sport. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Il y a rien, frère. C'est sous la haine, frère. Continue à fouiller. Moi les gars, je suis pas serein parce qu'on est quand même dans une zone assez sécurisée. On est dans une zone où il y a pas mal de monde. Et là, on est en train de fouiller les poubelles devant tout le monde. Et à tout moment, ça envoie la police sur nous. Parce que déjà, ils n'ont pas fouillé leurs poubelles. Tout le Barça, en fait, le Barça, autant ils ont des choses à cacher, ils veulent pas fouiller leurs poubelles. Oh les gars, j'ai encore trouvé un sac, frère. Ma parole, ça arrive plus, frère. Ça me régale, les gars. Il y a rien dedans. Mais est-ce qu'il vient du même endroit toujours? Il écrit toujours Thor? Ouais, les gars, regardez. Barça Store encore. Thor toujours, frère. Il vient du même endroit. Il vient du même endroit. Pour moi, les gars, de ce que je vois visuellement dans cette poubelle, on a plus rien à gratter, les gars. Pour moi, on a fini cette poubelle. Il y a plus rien à gratter. Moi, j'ai gratté pendant environ 45 minutes, pendant environ une demi-heure. Des jerrycans d'essence, des sacs du Barça Store, pas mal de choses. Mais là, Paquito, on passe à la prochaine poubelle. T'as poubelle à côté, autant il y a encore 10 fois mieux dans cette poubelle, les gars. Oh, il y a la police, jure, sérieux. La vie de ma mère. Ça va arriver Non, je sais pas. Regarde, juste derrière nous, les gars, il y a les congés. Pas, ça va arriver. Non, ça va pas arriver, c'est là-bas. Fais pas chier. C'est bon, ils se sont taillés. Prends ça à l'air. Faut accélérer parce que là, les gars, la police en Espagne, au Barcelone, c'est pas la même police qu'en France. C'est pas la même, frérot. On sait pas si c'est légal de fouiller des poubelles. Là, les gars, juste à côté de nous, il y a les camions poubelles qui viennent d'arriver. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils vont pas tarder à vider. Si les camions poubelles passent, on est cuit. Ils vont vider tout ce qu'il y a dans les poubelles. On a plus rien. Et s'ils vident ce qu'il y a dans les poubelles, c'est mort. Là, il nous reste même pas 5 minutes avant que ce qu'une poubelle passe et vide tout ce qu'il y a. Regarde-moi ça. Parce qu'il est rempli. Il a montré du doigt la poubelle, frère. Ouais. Faut fouiller la deuxième. Faut fouiller la deuxième. C'est parti. Ça, les gars, c'est la deuxième poubelle. C'est parti. Du Barça encore. Et là, les gars, c'est vraiment sécurisé. À tout moment, la police peut débarquer. C'est parti. Oh, tiens-moi, frère. Mets le pied. Mets le pied. Ok, direct. J'envoie direct. Les gars, un sac poubelle. Sac poubelle, normal. Putain, que des déchets encore. Fais chier, ça me gave. On n'arrive à rien voir. Putain. C'est quoi? Une étiquette du Barça, les gars. Avec un prix. Fort. Je crois qu'il y a une survette, non? Moi, je connais pas. Étiquette du Barça FC Barcelone, les gars. Magnifique. FC Barcelone, c'est incroyable. Pour moi, ça vaut rien. Frère, un truc. T'as le logo, c'est écrit quoi dessus? C'est écrit officiel Barça, frère. Authentique, tiens. On met dans la poche, les gars. Les gars, c'est quelque chose de plus à trouver, les gars. Surtout pas que tu n'as pas trouvé grand chose. Ah ouais, les gars, moi, j'ai rien trouvé. À tout moment, ça arrive, les condés. Ça arrive, soit que ça arrive en face. Décale. En face, des flics, ouais, c'est grave. Oh là là, les gars, c'est grave, les gars. C'est bon, ils sont taillés. Mets le pied. Oh, les gars, c'est vraiment tarpin tendu dans cette ville, frère. On a fouillé à Dubaï. On a fouillé de partout, les gars. Et je peux vous dire que là, ici, c'est une des villes les plus sécurisées. En 5 minutes de tournage, il y a déjà eu au moins 4 voitures de flics qui passent juste devant. Ça a pu sécuriser. C'est quoi ça? J'ai encore trouvé un truc de foot, frère. Une pochette avec ça. Une pochette avec ça, frère. Et fais voir, c'est quoi là? Oh, il y a écrit des trucs. C'est un calendrier du Barça encore. Ah ouais, frère, c'est. C'est encore un calendrier du Barça, frère. Attends, ferme la poubelle. T'as raison. C'est encore un calendrier du Barça, les gars. Et regarde, il y a qui sur le calendrier? Dembélé. Ousmane Dembélé, frère. Et gros, il y a écrit des trucs là. Moi, j'arrive pas à comprendre, frère. Recyclar. La robe. Enviar El Corn à la Refe. Les gars, c'est espagnol, c'est catalan. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. J'ai jamais fait d'espagnol de ma vie. Moi non plus. Mais à mon avis, les gars, il y a beaucoup de chance. Tu sais quoi, à mon avis? Le calendrier pour les employés du Barça Store. Et ouais, les gars, c'est sûr que c'est ça, frère. T'as tout dit. On le garde. Surtout lui, il est en bon état, les gars. Il est en super bon état. Et ça prouve en fait qu'on est bien dans la poubelle des gens qui travaillent au Barça Store, frère. Oh, on va se mettre plein. Garde-le. En gros, tu sais quoi faire? Oh, frère, tu mets le pied, je saute dans la poubelle, frère. En 2-2. En vrai? Ouais. Vas-y. Tu sautes? Je te jure, ouais, je vais dedans, mais juste. Oh, fais attention. Tu sautes et qu'il y a les flics, on est mort. On est les gars, faut quelque chose de plus. Là, les flics font que passer. Frère, fouillez, mais moi, je veux juste rentrer dans la poubelle avant, frère. Tiens, moi, la poubelle, je rentre dedans. Ouais, je vais pas rentrer. Il est rentré. T'as trouvé quelque chose? Oh, les gars, y'a plus des trucs de poubelle encore. Oh frère, les gars. C'est quoi? Attendez, je sais pas ce qu'il trouve. Oh les gars, regardez les gars. C'est quoi? Attends, laisse-moi regarder. Ah, je vois, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Figurine pop. C'est une figurine pop, frère. J'aimerais ça vite fait, je la regarde. Oh les gars, ça fait vraiment les vrais trucs. Frère, c'est une figurine pop de Messi. Messi 10. Il y a un problème dans tout ça. Y'a pas la figurine, frère. Premier problème de une, y'a pas la figurine. Deuxième problème, Messi il est au PSG, maintenant il est à Miami. Ça fait au moins 4 ans qu'il est parti. Pour moi, en fait, c'est un produit dérivé, c'est un produit de l'époque. Ils ont pas réussi à le vendre. Ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté, frère. Dire que le produit dans la poubelle encore. Mais à mon avis, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le Barça Store, ils ont gardé les produits des années 2018, 2019, 2020, il y a longtemps. Et là, ils l'ont enfin jeté. Ça peut être collector, hein. On garde. Super bon état, frère. Ils viennent de le jeter, ça se voit. Même si ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a encore des objets. La boutique du Barça Store. Le packaging, tu peux garder en souvenir. Mais ouais, ça vaut, pour moi, ça vaut même maximum 5 euros le packaging. Ouais. Oh, les gars, là, c'est autour de Yanis. Moi, j'ai trouvé une boîte. C'est à moi de fouiller, les gars. Moi, tout ce que t'as trouvé, c'est à toi. Ouais. Mais là, tout ce que j'ai trouvé, c'est à moi. Je te tiens. Bon, moi, les gars, je reste à l'affût aussi des Condés, frère. À tout moment, ils arrivent par là. Mais tout à l'heure, il y a des flics de partout, laisse c'est vrai. Tomber. Une boîte Misa avec une sorte de truc dessus. Je sais pas si t'arrives à voir. Ah, mec, c'est pas un truc pour tenir les caméras, ça? Pour les caméras de football, les gars. Il y a moyen que ce soit une sorte de trépied pour caméra. Il y a rien dedans dans la boîte. C'est du carton. Bahamas 2 litres. Ça boit du jus, ça boit du bon. Du bonjour, Barça Store. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Ah non, c'est de l'ingette.
putain. Ouais, ouais, oh les gars, ouais. Je croyais qu'il avait trouvé une ferie trouvaille de fou, ouais, frère. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas une légette là. Qu'est-ce que tu me racontes? Il a dit quoi? Il y a un tissu, frère. À tout moment, il y a un t-shirt ou quoi, frère? T'as pété le pont. Montre, montre. Oh, c'est quoi ça? Oh, oh les gars, je vous jure là, je crois qu'Yannick a trouvé un truc de fou. Mais Yannick, il a trouvé un truc de fou. Oh Yannick, me dis pas que c'est. Bon, bon, bon. C'est quoi? C'est quoi, frère? C'est quoi ça? Un polo, les gars. Les gars, il y a, je viens de trouver une sorte de tissu. Comme ça, les gars. Wesh, c'est tout blanc. C'est plein de taches. Et on dirait un polo sans marque. Oh. Mais c'est quoi ce bordel? Barça XXL. Mais j'ai pas l'impression que c'est un véritable, frère. On dirait un vrai ou un faux? On dirait un faux, frère. On dirait un faux. C'est un truc du travail. Il est tout sale. Il est tout sale. Oh, autant, frère. Attends, pourtant c'est un truc du travail. Ah mais pour moi c'est un truc du travail là les gars, regardez, je sais pas moi, le polo il a l'air blanc, tacheté de partout. C'est vrai qu'on dirait vraiment, les gars, on dirait vraiment quelqu'un qui travaille au Barça Store en fait. Et qui a ce t-shirt en fait, on dirait pas un t-shirt, frère, de mec qui travaille. Ça, ça vaut combien à ton avis? Et moi je sais pas, frère, ça je crois que ça vaut même pas d'argent, tellement ça vaut trop cher. En fait je pense que c'est pas en vente, en fait je pense que ça existe pas, c'est pas en vente. Inestimable. Mais si on pourrait dire un prix, un polo du Barça, c'est un véritable, un vrai, ça vaut au moins 80-90€. Maintenant la question c'est quoi? C'est que ça c'est introuvable. Continue à fouiller, moi ça c'est moi. C'est moi j'ai trouvé, ça c'est galette dans ma cagnotte à moi. Les gars, moi j'ai rien trouvé, frère. Tu continues à trouver, je continue à chercher les gars. Vas-y, Annie, reste à la foule. Frère, regardez les gars, moi, je viens de trouver un seau. T'as vu un seau de serpillère, frère? Ouais, à tout moment, c'est quelqu'un qui fait le nettoyage dedans. Ça, les gars, c'est quelqu'un qui fait le nettoyage. Ah, on ouais, passe ouais, ça, ouais, frère, et ben ouais, frère, il a son polo là, il a oublié son polo. Tu gagnes, ouvre un sac, les gars, j'ouvre un sac là-bas. Vas-y, ouvre. Ah, ça pue, les gars, y'a que du café. Il se tue au café, frère. Il se tue à la caféine, hein. Il se tue au café. Je pense Raïm, on a désossé la poubelle de fond en comble. Ah, ouais, on ouais. A réussi à trouver des bons objets. On va décaler parce que là, si on décale pas, décaler, frère, la secrétaire va nous péter. Les flics vont nous péter. Ça arrive pour de vrai. On fait genre, les gars, parce qu'en fait, si vous vous regardez bien, derrière nous, il y a la police. Et c'est pas n'importe quelle police, c'est vraiment la police nationale d'Espagne. Ah, les gars, ils arrivent des deux côtés. Les gars, on a les flics à droite. Je sais pas si vous le voyez. Oh frère, oh les gars, on se taille. Cassez-vous, ciao. Personne, fini. Maintenant, on est sûr d'une chose, il ne faut plus fouiller les poubelles pendant la journée. La police et la sécurité sont beaucoup trop présents, c'est très très risqué pour nous. On a donc décidé de rentrer chez nous et d'attendre la nuit tombée pour nous diriger direction Marseille et voir si ce club a plus de choses intéressantes que les autres à trouver. On est actuellement à Marseille, il fait nuit et derrière moi se trouve la boutique officielle de Marseille, les gars, de l'Olympique de Marseille. Et là, notre but, les gars, c'est de pas parler fort et de trouver autour de cette boutique les poubelles de l'Olympique de Marseille. Et juste au-dessus de cette boutique se trouve le stade Vélodrome. Et là, Paquito, faut vraiment qu'on trouve, comme je t'ai dit, la poubelle de l'Olympique de Marseille, frérot. On est obligé, frère. Comme d'habitude, faut qu'on trouve un max d'objets. Moi, je pense à faire le tour, on va faire le tour direct et faut qu'on trouve une poubelle. Vas-y, go, on y va. Let's go. Là, les gars, pour vous expliquer les termes, juste ici se trouve le Vélodrome, les gars. Et regardez-moi, juste en bas du Vélodrome, juste derrière nous, il y a une poubelle, les gars. Donc ça, c'est la poubelle du Vélodrome, c'est sûr et certain. Mais à côté du Vélodrome, regardez-moi ça, les gars. Juste ici, il y a encore des poubelles et il y en a encore plus, les gars. C'est des conteneurs. C'est parti, les gars, on va fouiller ces poubelles. Let's go. Là, les gars, c'est les poubelles, les premières poubelles qu'on va fouiller au Vélodrome à l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est quelque chose. L'heure de dégainer les gants. Moi, j'ai des gants. C'est parti. Même moi, c'est parti, les gars. On met les petits gants. Vas-y, on l'ouvre. Vas-y. Bon, y'a bombe de graille. Hein. Ok. Y'a que de la graille. C'est que de la bouffe. C'est que de la bouffe de A à Z. Et des cartons. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Qui rapporte des paquets de gâteaux Carrefour et du Yop au Vélodrome ou à la boutique de l'OM Store? Ah, je sais pas, frérot. Ils vendent pas ça à la boutique de l'OM Store. Ils vendent pas des paquets de gâteaux au Carrefour. Y'a pas, frère. Y'a pas. Oh. Wesh. Moi, oh, stade de l'OM. Voilà la dinguerie. Voilà la dinguerie, frère. Les gars, tout dit, frère. On va direct fermer. Petit paquet, cadeau. Ici, les gars. Petit sac de l'OM, frère. Et c'est magnifique. Ah, y'a rien dedans par contre, y'a rien dommage. Dedans. Sac de l'OM, les gars. Je pense que c'est dans la bonne poubelle. Ah ouais, frérot, là, c'est pas trompé. Les gars, ce sac là, ça doit valoir quoi, 1 ou 2 euros dans les magasins comme ouais, ça. Ouais, frère. On regarde ça, les gars, c'est quelque chose de plus pour la cagnotte. Les gars, on a trouvé un sac de l'OM en même pas 10 secondes de fouille. Moi, je suis presque sûr, c'est les poubelles de la boutique de l'Olympique de Marseille. Là, vu qu'on a trouvé un sac poubelle, il y a écrit l'Olympique de Marseille, mon pote. C'est logique, c'est logique. C'est logique. Y'a quand même une petite poubelle derrière qui m'intrigue, tu vois. Donc, on va aller la fouiller après. On va tout fouiller. Tu vois les paquets de frites, etc. qui dans le stade? Ils mangent ça, genre. Original taste. On dirait les trucs de frites qui dans le stade, frère. Donc il y a moyen. Truc de la buvette et tout, ouais, les gars. Ça peut être largement ça. Les gars, il y a les gens, ils passent. Pourtant, c'est assez tard. Les gens, ils passent, ils nous regardent et tout. Donc on est un petit peu déconcentré. On sait pas si on a le droit de faire ça ou pas. Surtout à l'Olympique de Marseille, les gars. C'est assez chaud.
Là en tout cas les gars, comme vous pouvez voir, cette poubelle est beaucoup plus de boutique. Donc je me dis est-ce que c'est vraiment la poubelle de la boutique de l'Olympique de Marseille? Donc là ça m'a l'air assez bizarre. Ah mais j'ai compris, ah ouais. On s'est trompé. Les gars, ouais. Regardez-moi ça. Les gars, tout à l'heure on était en train de fouiller les poubelles juste derrière nous. On pensait que c'était les poubelles de l'Olympique de Marseille, de la boutique de l'Olympique de Marseille. Mais sauf qu'on a compris quelque chose. Rien à voir. Regardez-moi les gars ce qu'il y a ici. C'est tout simplement écrit hôtel les gars. Donc c'est les poubelles du grand hôtel qui a juste derrière nous les gars. Ce qui signifie une chose. Ça veut dire qu'en fait, on a trouvé un sac pour une seule et unique raison. En sortant de la boutique de l'OM, le mec plutôt que de jeter son sac dans la rue, dans la boutique de l'OM, il a jeté devant l'hôtel. Ouais. En tout cas les gars, ça me paraît logique aussi, pourquoi il y a de la nourriture dedans. Et ouais, c'est vrai. Donc les gars, il y a plus qu'une seule solution. Notre seule solution les gars, c'est de se diriger, là vous voyez le logo de l'OM, et c'est de se diriger vers la poubelle qu'on voulait fouiller au début, qui est juste ici les gars. Raïm, let's go, on a mis les gants, on va aller fouiller ça tout de suite. C'est parti. Donc c'est parti les gars, on va fouiller, on a mis les gants, let's go. Raïm, on a environ 10 minutes pour fouiller. Ouais. Faut te dire quelque chose, je te suis une caméra. Oui, je te suis une caméra, frère. Je l'avoue, la caméra, gros. Juste au-dessus, il y a une caméra. Donc là, moi je pense qu'on a environ 10 minutes avant que la sécurité débarque. Bien, on se manne. Frérot, les gars, je vous jure, voilà, c'est une dinguerie. On est sûr que c'est la poubelle de l'OM. Vous savez pourquoi? C'est une seule et unique raison. Boutique. Ouais. OM. Toutes les poubelles qu'on a fouillées de toute la journée, on a galéré au PSG, à Barcelone, de partout, les gars. Et jamais une poubelle, on était sûr et certain que c'était la poubelle du magasin. Frérot, je compte même pas fouiller. Piste ma gueule. Puma.com. Ouais, direct, on est. Et Puma.com, tu sais qui? Puma.com, tu sais qui? C'est le partenaire. C'est le partenaire de l'OM. Allez, on l'ouvre. On l'a fondé. On va aller là. Qu'est-ce que c'est quoi? Dès qu'on reçoit un maillot ou dès qu'on achète un maillot à la boutique de l'OM, t'as ce sac et dedans t'as le maillot et t'as le petit papier qui te dit ce maillot vous l'avez acheté sous licence officielle de Puma, etc. Donc ça en fait c'est tout simplement un papier de maillot. On va le garder au cas où. Ça peut sortir. Ça, je trouve une sorte de... Je sais pas c'est quoi gros. C'est une sorte de truc de pêche. La terre. En fait il y a des poissons dessus. Additif. Gardon. Mais je sais pas ce que c'est les gars. Un truc de poisson. En fait c'est un truc de poisson. Mais regardez-moi ça les gars. C'est comme une sorte de terre en fait. C'est une sorte de terre. Ça doit valoir combien ça? Peut-être 10 euros, peut-être 20 euros. C'est un truc pour la pêche. C'est pour la pêche. Ah, parce qu'on est à Marseille les gars. Le vieux port. Le vieux port est à côté. Tout à côté les gars. Ça régale. Mais frère ça régale. On va le revendre frère. 10 balles. Ça doit valoir quoi? 10 euros, 15 euros. Il avait jamais t'es mal frère, t'es mal le sang. Gros ticket de caisse énervé le sang. Mais là, jure. Mais je te jure frère, voilà, orange vélodrome les gars. C'est dingue frère. Le mec il a acheté quoi? Il a acheté un maillot et un flocage. Il a floqué le t-shirt. Pour 90 euros les gars. Et pour 90 euros il a acheté un maillot avec un flocage. Absolument rien. C'était un tapis. Non, c'est un truc de décoration ou quoi, y'a rien. Y'a rien dedans. Oh t'es mort. Je suis mort. Y'a quoi? T'es mort frère. Mais sérieux gros. Wesh. Mais attends, il y a encore l'étiquette et tout, elle est toute neuve, frère. Oh, il n'y a pas l'autre, frère. Il a trouvé une claquette de l'OM et elle est toute neuve. Je sais qu'à la boutique, je ne trouve pas la seconde. Il n'y a pas, frère. Je ne trouve pas la seconde claquette, ça signifie juste une chose. Quand à la boutique, ils ont perdu la seconde claquette et qu'ils sont obligés de jeter. Parce que une claquette toute seule, ça sert absolument à rien. Mais c'est quand même déjà ça de trouver. Essaye quand même de trouver l'autre claquette parce que tu la trouves. C'est un petit pénef de 20-30 euros pour cette claquette de l'OM. Frère, pack, match, Ligue 1, Uber Eats. En fait, c'est des affiches de pub pour un match Marseille-OL, Lyon-Marseille. Marseille Ajax, en fait c'est simple, c'est des affiches publicitaires. Ouais c'est ça, c'est nul. Garde là. Une affiche de l'OM collector frère. C'est vrai frère. Une affiche de l'OM collector, ça peut se revendre 20-30 euros, je capte pas trop. Et ouais frère. Les gars, je crois pour le moment, on est vraiment dans une des meilleures trouvailles les gars. Là, cette vidéo c'est une dinguerie, je suis choqué les gars, je pensais pas on allait trouver autant. Gros, oh t'es mort frère. Mais dis pas il y a des crampons le sang. Mais dis pas il y a des crampons. Attends, les gars, il y a une boîte. Oh, mais dis pas il y a des crampons. Mon balai. Mais dis pas il y a des crampons frère. Mais ouais, la dinguerie. C'était des crampons, je te jure c'était des crampons. Pop 4, 20, logo power. Ah frère. Puma Black. 30 pelles ça coûtait. C'est pas des crampons. Regarde, hein. C'est une boîte, je sais pas c'est quoi mais c'est. On va la fouiller, y'a rien dans la boîte. Les poubelles à Marseille, à la boutique de Marseille, ils sont blindés. C'est les gars. Une dinguerie. Garde-la. Moi je garde la boîte les gars, guettez la boîte toute petite didac, c'est carré. Allez les poubelles, les poubelles. Oh frère les poubelles on va gagner. Papa je trouve un truc de manger. Ouais, mais non. On est pas mal les gars. Pendant que les éboueurs sont en train de prendre la poubelle de derrière, avant de prendre celle-là, on va fouiller un maximum. Attends, j'ai terme. On a 5 minutes pour fouiller celle-là, parce que si les éboueurs passent, on est cuit, on a plus rien. Pareil, un truc pour le maillot, ils vendent la balle de maillot. Ils vendent à fond de maillot. Fond, les gars, les mecs de Marseille, ils aiment trop acheter les maillots de l'OM parce que je vois les gars. C'est quoi ça? Mais après, j'avoue, des beaux gosses. Un truc d'emploi, on s'en fout. Ouais, c'est pas Marseille. Attends, on a pensé qu'il y a des sacs en bas. Sac en bas, il y a écrit quoi? Pizza. Les gars, en bas il y a écrit pizza, il y a des canettes, mais t'as aussi un logo de l'eau, un logo de Puma frérot. Là tu vois le logo Puma? Ah ouais les gars, la petite étiquette. C'est l'étiquette Puma. Encore un deuxième sac de l'OM frère. Un deuxième sac de l'OM les gars. 1 ou 2 euros en plus. Toujours ça. Même s'il n'est pas abîmé.
C'est la nuit complète et c'était impossible pour nous de ne pas fouiller les poubelles de la boutique de l'Olympique Lyonnais. Alors on a pris la voiture pour se diriger vers Lyon en espérant finir la journée avec une grosse surprise dans cette poubelle. Et vous allez voir qu'on a été surpris. Il est actuellement 2h du matin et on vient de se diriger directement à la boutique officielle de l'OL Mini Crypto. Zakos le Tacos, les gars, vous trouvez les poubelles derrière nous, suivez-nous les gars. On est venu au stade de Lyon pour voir la boutique et faut trouver les poubelles. Imaginez les gars si on trouve ça dans les poubelles. Un maillot de Lyon, celui-là de 2024. Ça serait une dinguerie. Moi je veux ça, frère. Moi, en version joueur les gars, à 140€. Les gars, vous avez vu, c'est la boutique de Lyon. Et regardez ce qu'ils ont mis derrière. Et regardez la barrière, les gars. C'est une dinguerie. Il y a des gens, ils ont essayé de casser la porte. Pour moi, il y a des caméras et tout, les gars. Faut trouver les poubelles. Dès qu'on trouve les poubelles, on décale directement. J'entends un bruit à droite. Venons, on décale, les gars. Venons, on décale. On fouille. On trouve les poubelles. On chope le truc. Et on snipe. J'ai mis les gants. C'est parti. Première poubelle au parc lyonnais, les gars. France 2023, Olympique Lyonnais, c'est Accès Restauration. Ah les gars, c'est vraiment. T'as même pas fini tes gants, je fais ça. C'est une sorte d'accès restauration. Donc avec ça, je suis censé pouvoir accéder à tout ce qui est nourriture, à tout ce qui est bouffe à l'intérieur de Lyon les gars. Bon les gars, il y a des caméras, vas-y, il y a une caméra qui nous fixe à balle. À droite. Je sais pas si tu vas rien voir. À droite les gars, une grosse caméra qui nous fixe. Ça va la rendre. Les gars, il y a une caméra juste derrière, on part. J'ai réussi à trouver ça. Ma seule trouvaille à Lyon pour le moment, c'est France 2023 Olympique Lyonnais. Les gars, regardez, on est bien à Lyon. On est derrière le magasin du store de Lyon, le store officiel de la boutique de Lyon. Je crois que j'ai vu quelque chose. Venez, il y a moyen que j'ai vu des poubelles, les gars. Je crois qu'il y a des poubelles. Ici, de ce que je vois, il y a deux poubelles. Une ici, là que vous voyez juste ici. Et une plus loin. Le stade est juste derrière. Le store de l'OL officiel de Lyon officiel est juste derrière. Et regardez la première poubelle qu'on a. Les gars, elle est là. On y va, les gars. On fouille. Ouais. Je commence à fouiller. Ouais, j'ai les gants, j'ai tout. Oh. Tu me tiens. Déjà, ça sent la peine. Ça sent comme. Ça sent une alcool, une sorte d'alcool, frère. Ça pue. On dirait des posters géants. C'est pas des posters géants, ça y a rien dessus. Un truc de loi. Avec le stade, je crois, en rapport avec le stade. En tout cas, c'est un truc qu'ils auraient graffé quelque part. Ouais. Vous dire comme quoi, il s'interdit. Après, en vrai de vrai, c'est pas revendable. Du coup, vas-y, jette. 100%, ça sert à rien comme ça. Ça, on dirait, les gars. C'est des sortes de. En fait, on dirait des sortes d'emballages cadeaux, ouais. Mais aux couleurs de l'OL. Bleu, ouais, regardez, les gars, c'est bleu et rouge. Tout comme Lyon, les gars. C'est quoi ça, frérot? Ah, on dirait c'est du gaspillage, mon frère. Gueule, on dirait de la bouillie, frère. Ah, c'est du vomi, non? C'est un bon. Non, c'est quoi, je crois? On dirait du vomi. On dirait pas quoi? On dirait pas les feux d'artifice géants là que. Les trucs à confettis géants. Les trucs de supporters qui ont vraiment explosé tout dans le stade. Mais là, avec des confettis, trucs comme ça. Les gars, on va fouiller la poubelle de A à Z jusqu'à trouver vraiment, vraiment, les gars, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Oh! Encore, mon frère. Encore. C'est mini éclair. Mini éclair? En fait, c'est plein de mini éclairs. C'est pourri, hein? Toi? C'est pourri, c'est vert. Et les gars, vous savez, c'est quoi la plus grosse honte, quoi? Les gars, on est à Lyon. Je pensais pas que ça gaspillait comme ça à Lyon. Ça fait deux sachets contre comme ça. Regarde. Il est même pas ouvert. Il est pas ouvert, frère. Les gars, j'ai oublié, mais j'avais une lampe torche. Je vais la dégainer tout de suite et je vais la sortir pour voir. Mais je sais si j'arrive mieux à voir. Il y a beaucoup de gros papiers, les gars. Il y a une deuxième poubelle de Lyon. Là, j'ai les termes. On a fouillé la première poubelle qui est juste ici. Ouais. La première poubelle de Lyon. Soit on arrête maintenant et c'est fini. Et Lyon, il n'y a plus de Lyon. Soit on fouille la deuxième poubelle qui est derrière. Non, c'est en fin de seconde. Ouais, moi je pense qu'on va voir là. Moi, les gars, moi je taille. Toi, je pars. Moi, je pars. Ok, mais moi, Isaac, les gars, mini crypto est en stress, les gars, il flippe. Moi, Isaac, on va aller fouiller la poubelle. Vas-y, viens, va en courant, passe, viens. Là, les gars, c'est la deuxième poubelle de Lyon. On va l'ouvrir, on va la fouiller. Isaac, on fouille. Si la sécurité, on assume. 3, 2, 1, go. Pur scandale. Oh, maman, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Oh, c'est ce truc panini. C'est du rugby panini. Tous rugby. Mais dommage, c'est pas du foot, frère, c'est du rugby, gros. Ça coûte cher, ça. Attends, je regarde. Il y a des cartes dedans. Des cartes dedans. Et les cartes dedans, les gars, c'est des cartes de. Il doit être connu, lui. Donc ça doit valoir au moins 4€, je pense 3€. Des petites cartes comme ça de rugby, c'est cool, les gars. Ça, on garde dans ma canette en plus. Moi, tu t'es mis bien.
ça va être un truc Burger King, frère. Les gars, c'est écrit chevalier. Y'a rien à gratter, c'est vraiment 0€, les gars. Les gars, Lyon, faut dire les termes, les gars, c'est scandale. De une, on a trouvé beaucoup de gaspillage alimentaire. Des kilos de là, c'était quoi, des croissants, des éclairs au chocolat. Et en plus, ça, les gars, qu'est-ce qu'on a trouvé de plus, les gars? On a trouvé vraiment la poubelle, elle sent l'alcool. Je sais pas si t'as rien senti. Ça pue, ça, c'est vrai. Ça sent l'alcool à balle, les gars. Ça sent. Ça sort sur nous, les gars. Sors-toi. Ouais! Ouais! Ça va ou quoi? Ouais. Les gars, il y a un abonné, il vient nous voir à 2h du matin. Oh, les gars, 2h du matin, il m'a fait stresser. Oh, le gars, en plein milieu de la route. Ça va ou quoi? Ça va, ça va. Oh, les gars, je pensais qu'on était cuit. Je me suis dit, les gars, on pensait que c'était les condés, voilà. On pensait, les gars, vraiment que c'était les flics. Au final, c'est pas les flics. Oh, les gars, mon cœur, il s'est arrêté. En plus, oh, il est sorti de la porte, il a fait. Voilà, il est sorti, il a vraiment fait peur. Mèche bien, tranquille. Désolé, excuse. Ça va? Mèche bien, tranquille. Ça va? Mèche bien, ensemble. Les gars, il nous a cramé, les gars, en pleine vidéo. J'ai direct reconnu, il y a clair. T'as crié, on croyait c'est les flics, frère. Vraiment, on croyait c'est les flics, frère. Vas-y, les gars, force. Merci à toi, mon sang. Merci à toi de nous suivre. C'est plaisir, le sang. On continue, on va coucher la fouille, les gars. On espère qu'il n'y a pas les flics qui vont arriver. Ouais, tiens, frérot. Moi, pour moi, les gars, à Lyon, faut dire les termes, on n'a rien réussi à trouver à Lyon. Mis à part du gaspillage et des trucs négatifs, à Lyon, il n'y a rien de positif. Il n'y a que les stickers pour 5€, mais sinon, tout le reste, les gars, ça vaut absolument rien. Donc, à mon avis, Lyon, les gars, c'est fini, faut qu'on décale, les gars. On a trouvé un polo à Barcelone, des tongs à Marseille. Et si vous voulez voir tout ce qu'on a trouvé dans les poubelles de Dubaï, c'était vraiment sécurisé, cliquez sur la vidéo en haut à droite. Les gars, cliquez, c'est obligé, vous allez kiffer.